そこにある命をこの世から駆逐するまで。名は進撃の巨人。J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Shingeki no Kyojin, saison finale, épisode 24. La fin avance à grands pas. Les gars, attention, là on est en train de vivre des instants qui seront nostalgiques à vos yeux. Bon, alors aujourd'hui c'est une review un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire on va être beaucoup plus concentré sur de la discussion de l'épisode, de l'analyse, de la critique, un peu plus, je vais pas dire en profondeur, mais il y a des épisodes qui demandent un certain type de review et d'autres qui en demandent une autre façon de faire. Il y a des épisodes comme ça où je préfère vraiment en discuter avec des notes, etc. Bref, un petit peu comme à l'ancienne, vous connaissez. Bon déjà j'ai envie de dire, c'est la réunification. Ceux qui étaient par le passé, au départ, amis, qui sont ensuite devenus ennemis. On a compris ce que chacun vivait dans son camp, de son côté. Fallait se battre. Eren, au milieu de tout ça, qui faisait partie d'un... Eh ben non, ça y est, tout le monde s'est réuni pour aller sauver le monde. De qui? De Eren. C'est une dinguerie. Qui aurait pensé un jour, voilà, t'es là, tu commences SNK, tu te dis, bon, je suis à la saison 1, de saison 2, je vais à la review de Riles, la dernière qu'il a sortie, et t'entends ça, là, tu te fais spoiler. Réunification pour empêcher Eren de faire son grand terrassement. Tu veux dire, et je comprends plus rien. Et ça, c'est le développement. Ça, c'est le développement de certains personnages. C'est une dinguerie. Mais tout ça n'est pas sans conséquences. C'est un choix, c'est une idéologie. Qui est pour, qui est contre, on en a déjà parlé, pas besoin d'en parler 3 heures. On voit un petit peu Ansi qui est de son côté avec Levi, le symbole d'Ansi avec Levi. Hein. C'est vraiment, j'ai envie de dire, les derniers survivants haut placés du bataillon, quoi, presque. Hein. Leur lien est magnifique. Ansi, tu la vois au début de l'épisode quand elle tue, un pro-Jäger, les larmes aux yeux. Et là, il y a le message que le mec du pouvoir par le passé lui avait dit. Vous vous rappelez quand elle avait enfermé en saison 3, partie 1, lorsqu'il y avait le renversement politique, le pouvoir, etc. Ça y est, c'est toujours une histoire de boucle. Alors on n'est pas dans la boucle temporelle, qui sait? Et ça, c'est ce que beaucoup de créateurs essayent de représenter. Hein. Naruto, vraiment ce cycle de haine qui perpétue et qui vient le briser, qui vient le stopper. T'as celui qui vient à travers la paix et l'union qui ne peut presque pas exister, il faut combattre à un moment, et t'as Eren qui a compris que bon, non, moi je vais me faire le monde. Le monde, ouais. Et Ansi qui donc ouvre les yeux sur ce qui a pu lui être dit par le passé, quand ça y est, eux, ils avaient repris le pouvoir. Et aujourd'hui, la psychologie d'Ansi, d'Anji, tu l'appelles comme tu veux, c'est simplement de se dire, bon, là aujourd'hui, Eren, il s'est barré. Si on revient, les pro-Jäger, ils vont nous faire, là, qu'est-ce qu'on doit faire, en fait? Et t'as Levi qui se lève, et Levi, moi, il m'a fumé. Levi, le gars, son intérêt, son objectif, c'est se faire le bestial. C'est sa mission. C'est ce qu'il a promis à Erwin. Voilà, il se réveille, le mec, il est à moitié mort. Déjà, bon, Ackerman de fou, hein. Parce que le gars, déjà, comment ça se fait qu'il est pas mort? En vrai de vrai, quand tu réfléchis bien, il s'est mangé de plein fouet l'explosion, tout ça, en étant aussi proche de Sig. Saison 4, fin de saison 4, partie 1. Bah, le mec, il survit. Ce truc d'Ackerman, moi, j'aimerais bien aller en profondeur, de profondeur, de profondeur. Il peut y avoir de la théorie profonde sur les Ackerman, en vrai. Ils sont bizarres. Bref, le premier pacte avec l'ennemi, j'ai envie de dire, de cet épisode, c'est celui où Levi et Ansi font comprendre à Magat et à Pic de s'unir. Il n'y a pas le choix, en fait.
il n'y a pas le choix. Du côté de Pic et Magat, l'intérêt, bah, c'est de sauver Mar et les leurs, quoi. De l'autre côté, Hansi et Levi, comme je vous l'ai dit juste avant, en fait, n'ont plus aucun intérêt à revenir. Parce que le retour, voilà, le pouvoir est au pro-Jaeger, et ils savent très bien que eux ne faisaient pas partie du clan. C'est les rebelles, quoi, eux, en fait. Ils vont se faire dégommer s'ils reviennent. On a vu un petit peu ce que Frock, de quoi il était capable dans cet épisode-là. Bon, maintenant, on revient sur Connie et Falco. Franchement, cette séquence, elle est intéressante parce que Connie, dans son développement, on a toujours connu le Connie, voilà, qui... Enfin, toute leur équipe, d'une certaine façon, se battait pour une cause. Il y avait une humanité en eux, et le développement de l'histoire fait qu'à travers les confrontations, à travers les épreuves et les douleurs, bah, il y a des chemins qui se croisent, il y a des mentalités qui changent, et il est dur de garder cet esprit d'être le bon cœur, la paix, ne pas sacrifier ceci. T'es obligé à un moment donné de faire des sacrifices, plus l'amour qu'il porte à sa mère, qu'il voit toujours dans le village de Ragako, je crois, et sa maman qui est en titan et qui l'avait reconnue, quoi, qui évoquait... Et donc, le mec, il s'est dit, bon, bah moi, mon intérêt, c'est de le petit Falco, là, en mode petit Falco, qui possède désormais le mâchoire, bah il va le faire bouffer à la maman, et enfin, il récupérera sa mère. Mais est-ce qu'en faisant ça, il aura accompli réellement ce que sa mère voulait? Et c'est là que, grâce à Armin, parce que ce que Armin a fait dans cet épisode-là, les gars, le fait d'aller presque se sacrifier, c'est-à-dire que... On va se mettre dans la psychologie d'Armin. Il est toujours dans la douleur intérieure, ce qui crée en lui un complexe d'avoir été choisi par rapport à Erwin. Ce qui fait que derrière, il doit, à ses yeux, toujours être à la hauteur. Et dans le moindre doute, il estime que bon, bah, il fallait sauver Erwin et qu'il n'est pas digne. Donc tous les choix qu'il fait, tous les sacrifices qu'il doit prendre, il se dit dans sa tête, Erwin aurait fait ça. Le major, commandant Erwin aurait fait ça. Il aurait fait ça. Il s'est sacrifié. Il est truc, il est capable de... Donc d'une certaine façon, lui, sa psychologie, c'est de se dire, bon, je ne peux pas sacrifier l'un ou l'autre. Je ne peux pas venir dire à Connie, ta maman, faut la laisser mourir. Et à la fois, je ne peux pas dire à Falco de se faire manger. Donc, en fait, il est entre deux trucs. À chaque fois, il aurait fait un mauvais choix, en fait, dans les deux cas. Et là, bah, il a opté pour sa personne et son sacrifice. Et je pense qu'il se dit, c'est ce que le Major Erwin aurait fait. Et c'est cette chose-là qui a fait que, à la fois, il a sauvé Falco, et à la fois, il allait sauver aussi la mère de Connie. Mais ça a réveillé Connie. Ça lui a fait une remise en question, et cette remise en question lui a permis maintenant d'avoir presque un nouvel objectif, celui de rendre fier ce que sa mère voulait de lui comme soldat. Et donc voilà en fait un petit peu la psychologie du truc. On voit quand même Falco qui n'a pas trop bien compris qu'il était le mâchoire, hein, parce que quand Gabi lui dit hey, « truc, transforme-toi, utilise le mâchoire, truc », lui, « le mâchoire, truc », ben non, porco, machin, ben, il est entre le réveil, entre... Il sait pas trop ce qui se passe. Mais on remarque toujours que ce personnage, le Falco, est d'une... C'est un bon garçon. Franchement, le mec, c'est un bon garçon. Hein, il a été emmené dormir dans la forêt, truc et tout. Voilà, il est là, il écoute, il obéit. Son bon cœur, j'ai envie de dire, d'habitude, ça peut perdre un gars. Là, ça l'a sauvé. Voilà. Dans cet épisode-là, on apprend que Eren avait parlé à la petite blonde qui aime Mikasa, enfin qui l'aime bien ou qui aime, je sais pas. Et Eren, bon déjà Mikasa, ça doit la toucher hein, de se dire, bon, Eren s'est confié à tout le monde, tac, il leur a dit, et nous en fait, moi, Armin et tout, il nous a même pas calculé au point même de nous rejeter. Donc en fait, Eren aurait dit à cette petite blonde, j'ai oublié son nom, que Mikasa, limite, devrait jeter cette écharpe, quoi. Et t'as la petite blonde qui se disait, bon, bah, moi, je vais la récupérer, hein. Bon, ça, c'est un petit peu du recyclage crevard. Franchement, attends, t'as envie de rendre jalouse Mikasa, ou c'est quoi le projet? Non, parce que, je sais pas, c'est comme si la personne que t'aimes le plus au monde te donne un truc, tu l'as gardé toute ta vie, de ton enfant jusqu'à maintenant, et après, tu dis, non, mais je jette-le pas, je vais le garder. Je trouve ça moyen. Mais bon, et t'as Mikasa derrière, et c'est intéressant, qui récupère l'écharpe, et qui maintenant commence à se dire « Vous allez pas me dicter mes sentiments, et même pas Eren. » Et la question maintenant qu'il faut se poser, c'est pourquoi Eren, maintenant qu'on sait qu'il a vu l'avenir, pourquoi il éloigne à tout prix ceux qu'il est censé aimer, ses proches? Est-ce que d'une certaine manière, c'est pour dire à Mikasa « Ça y est,
j'ai fait mon choix, je me sacrifie pour nous, pour le monde, enfin pour le monde, pour l'île, je détruis le monde, ne souffre pas, ça sert à rien, on n'est pas ensemble. Donc est-ce que d'une certaine manière, c'est un éloignement, c'est de manière affective de lui dire « éloigne-toi » de moi, non pas parce que je ne t'aime pas ou que je vous déteste, mais plutôt je vais vous montrer un visage qui va vous faciliter le détachement pour au final bah, faire ce qui doit se passer, que au lieu d'être le gentil je vous aime de tout mon cœur, gna gna gna, imaginons, et s'en aller. Ça peut être de ce genre de psychologie qui est utilisé par Eren, et voilà, on a vu qu'avec Mikasa il a été très brutal, très dur. Il s'est battu avec Armin, vraiment un moyen de leur dire, les gars, détachez-vous de moi. Il savait ce qui allait se passer. Donc, au fond, il savait que mieux vaut casser le lien par le fait de ne plus créer un attachement, donc un détachement brutal, que en mode gentil, ce qui va faire pleurer tout le monde, quoi. C'est peut-être la psychologie d'Eren sur le coup. Bon, on a les pro-Jaeger, ça y est, ils sont chez eux, les mecs. C'est même plus du squattage, là, c'est vraiment, on leur a livré l'île pour eux. Hein. Ils sont bien, ils boivent, ils mangent, il y a des bonnes tartelettes qui donnaient très faim. T'as Frock, Furoku, le mec, il est bien. Hein. Tac, il juge tout le monde, ça y est, l'île, pro-Jaeger, leur avenir est serein, quoi. T'as Jean, comme je vous ai dit dans l'épisode dernier, qui avait l'air d'être dans la compréhension du truc, qui s'était... qui avait presque accepté, je vous jure que je me rappelais même pas, là tout ce qui est en train de se passer, vraiment, je le redécouvre proprement. Et t'as Jean qui en fin de compte, dans cet épisode, on a compris que non, en fait, il n'avait pas adhéré à cette cause-là. Et ça collait parfaitement à ce qu'il aurait pu adhérer, en plus, quand tu vois tout ça. Et non, il n'a pas adhéré, et au contraire, il a... Surtout quand on voit le regard qu'il a envers Mikasa, et Mikasa, on lui dit, bah alors, tu peux te mettre bien, tu peux avoir un bon poste, et elle dit, ouais, non. Et on les voit se lancer un regard, Jean et Mikasa, et là on se dit, ça y est, il y a une cassure de partout là. Les pros, les contres, les trucs, pro-vaccin, anti-vaccin, pro-Jaeger, anti-Jaeger, machin, truc. Mais hé, c'est une dinguerie comment c'est similaire à la réalité par contre. Je vous promets, SNK, c'est dans tous les éléments, la réalité qui est décalquée. Vraiment. Mais on pourra faire une vidéo peut-être à un moment donné avec le parallèle de la réalité. C'est hallucinant. Dans la philosophie, mais surtout dans les faits, quoi. Bref, donc Jean et Mikasa, ils se regardent, on croyait que c'était un regard en mode, voilà, nostalgique, du passé, mais maintenant on n'est plus ensemble. Sauf qu'en fait, il y avait un plan, il y avait une stratégie. Bon, on va revenir sur Annie. Ça, c'est mon petit coup de gueule. Franchement, Annie, pour l'instant, je ne lui retrouve pas le charisme de la saison 1. Franchement, elle dégageait un côté assez glacial avant. Et c'est pas parce que maintenant, ils sont unis de manière un peu plus sincère qu'avant, que Annie n'a pas dans son être ce qu'elle a vécu par le passé, truc. Oui, elle nous a expliqué qu'il y a un changement, que maintenant, certes, elle est un peu plus dans la compréhension, mais même malgré ça, elle est prête à tout pour retrouver son père et tout. Et la Annie que je vois pour l'instant, elle ne dégage pas le charisme que j'aurais voulu qu'elle dégage, quoi. La Annie de saison 1, je suis désolé, elle dégageait quelque chose. Et là, la Annie que je vois pour l'instant, je ne lui trouve pas ce truc-là. J'ai trouvé le rapprochement un peu trop brutal, en fait, aussi, entre Annie, Connie, Armin, en mode « Ah, c'est Annie, ouais, mais non, mais laisse-la manger, le truc !» Et je trouve que c'était un peu trop... Normalement, c'est oh, « Annie, truc, tu sors tes armes, tu te dis « Elle est là, truc !» Enfin, peut-être que c'est moi qui ai raté un truc, que j'ai oublié. Mais je trouve que ça s'est fait un peu trop, de manière amicale. Alors, Armin, je peux comprendre qu'il soit un peu dans sa défense. On sent qu'il y a une part de sentiments. On le voyait quand il lui parlait. Il y a Bertolt, un peu, qui avait lui-même aussi des sentiments. Je pense que ça s'est transmis à Armin par rapport à Annie. Mais, je sais pas. Alors, oui, d'un coup, maintenant, on a un nouveau Connie. C'est-à-dire que ça y est, il veut redevenir un peu exemplaire après ce qui s'est passé. Mais quand même. Alors oui, cet épisode sert à montrer l'union qu'il va y avoir pour sauver le monde. Pour essayer, du moins. Mais il y a des choses qui, je trouve, vont être un peu vite. Tu vois, tu sors Annie de son cristal, 4 ans, 4 ans dans son cristal, c'est pas pour que quand tu la vois en train de manger, ah Annie, allez, Annie, j'ai rejoint un truc, machin. Bon, le jugement de Yelena et de Onyakopon, elle est sympa la scène, parce qu'on comprend bien, on voit vraiment les psychologies qu'il y avait aussi du côté de Yelena par rapport à... Bon, déjà, d'une certaine manière, Yelena... Et Onyakopon, ils sont fidèles à eux-mêmes. Hein. C'est pas des mythos, les mecs. Hein.
ils sont authentiques. Autant Yelena, qui ne se vend pas, et qui assume, ça y est, son idéologie est tombée à l'eau, sa vision, ça y est, son existence n'a plus d'utilité à ses yeux. Donc Yelena, ce qu'elle a fait, c'est que Yelena n'attend que Furoku, il tire, quoi. Tire, limite, bon, t'attends quoi, en fait? Et de l'autre côté, t'as Onyakopon, et lui aussi, ça n'a pas changé, parce que lui n'a pas été un traître dans l'histoire, pas du tout. Lui, la seule chose, c'est qu'au présent, il refuse de participer et de se soumettre au pro-Jäger. Mais pourquoi? Parce que Onyakopon, le mec, son objectif de base, c'est la paix, en fait. Sauver les siens, mais à la fois être en paix avec les pro-Jäger, et il les a jamais trahis et tout. Mais comment aujourd'hui accepter pour lui d'être un pro-Jäger, tout en sachant que se mettre dans leur cause, c'est accepter que le reste du monde et que sa famille, ses villages, sa vie, son pays, etc., tout ce qui concerne les siens, se fasse détruire. Et lui, en adhérant à leur cause, c'est comme adhérer à une troupe qui va venir et détruire ton village, ta famille, tes parents, tes frères et sœurs. Tu peux pas. Donc Onyakopon, on peut que le comprendre aussi. Mais ça y est, là, les pro-Jäger, tu les vois d'un regard, et on les voit tous autour d'eux. Hein. Ils sont devenus extrémistes. Ça y est, nous sommes supérieurs, notre cause, notre cause, notre cause. Si t'es pas dans notre cause, t'es contre nous. Il y a plus de nuances, il y a plus rien. C'est avec nous ou truc. Alors le pro-Jäger qui a été attaqué par l'extérieur et tout, tu comprends. Il est victime de quelque chose, il riposte à autre chose. Donc son idéologie, elle est fondée. Mais quand t'es un Onyakopon qui vient à la base faire presque du troc et venir en paix et une alliance, t'es perdant en fait. Tu perds tout, quoi. Tu perds les tiens. Donc oui, tu viendrais sauver que ta vie, mais le gars a une éthique. Bref, et c'est au moment où on pensait que Jean allait tirer, qui en fait, il a tiré 3 ou 4 fois par terre, c'était le signal. Pic, etc. sont venus, les ont sauvés. Et là, Annie, Pic, machin, truc, ils sont tous partis. Et il y a une scène bizarre, encore une fois, un peu facile, je trouve, mais qui reste mystérieuse, et je vous jure que même moi, je me rappelle même pas de ça, c'est qui ou truc. Et ben, t'as Annie, qui est dans son... Enfin, d'un coup, elle se retourne comme ça, tu te dis, mais comment, pourquoi elle se retourne à l'avance? Enfin, t'es à 300 mètres d'un bâtiment, tu fais pas ça. Et genre, t'as deviné qu'il y avait quelqu'un qui te regardait derrière une vitre. Donc oui, il y a un gars qui sait qu'ils s'en vont, il les a vus et tout, mais on sait pas c'est qui. Ah, j'ai zoomé et tout. Non, je rigole. Le mec, il zoome sur un truc qui est dessiné. Non, et donc là, bah, tu sais pas, il y a un mec mystérieux qui a l'air de les regarder, truc, et ils s'en vont. Et à la fin de l'épisode, on a le réveil de Reiner, et on voit, ça y est, alliance par-ci, alliance par-là, truc. Donc on a Hansi, Magat, Pic, machin, truc, et on les a de chaque côté tous un peu réunis. Et à la fin, on a la réunification de Koh-Lanta, Avenger, machin, pour, entre guillemets, comme ils le disent, sauver le monde. Donc on met de côté tous nos conflits, mais nos véritables conflits, parce que là, il y avait des morts, des trucs et tout, contre, ça y est, l'idéologie Eren Jäger. Contre le Eren qui s'en va pour terrasser le monde. Ça avance. Bon, c'est des épisodes qui, on va dire, permettent les transitions scénaristiques, historiques, développantistes. Et on avance vers, je pense, des choses qui vont être de plus en plus incroyables. Voilà les amis pour cette review. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.